Yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de mon let's play sur Ratchet & Clank. Donc on est parti, hein, donc, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, bah, je vous invite à les regarder, ils seront dans la description de la vidéo. Et ensuite, pour ceux qui auraient complètement oublié où c'est qu'on en était, histoire de vous rappeler, on devait retrouver le super-héros là, vert sur la planète, je crois que c'était la planète voilà, Aridia. On devait trouver voilà Skid Mark Marx, voilà, c'était ça qu'on, c'était là qu'on devait aller. Donc on va aller le trouver tout de suite. Et évidemment on va essayer de trouver des boulons en or, hein, comme l'épisode précédent, vu que ça s'était plutôt bien passé, hein, on avait récupéré 3 boulons en or. Et ben là on va essayer encore d'en récupérer un ou deux, hein, pendant cet épisode. Donc toujours le même temps, hein, 30 minutes. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc on est parti. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, on avait vu qu'il était par là. Voilà, il est là. Donc on va pouvoir aller le voir. C'est lui, Skid Mark Marx, l'homme de l'inforobot. En chair en os et en dreadlocks, petit gars. Eh, vous m'avez vu dans cette incroyable bataille spatiale. On vous a surtout entendu hurler à l'aide. C'est-à-dire c'était genre un cri de guerre. Hein. Mon agent et moi, on est tombés dans une embuscade en allant à l'entraînement d'Overboard. A-t-il survécu au crash, monsieur? Il va bien, mais moi j'ai eu un petit peu de mal à revenir à mon vaisseau spatial. À cause d'une entorse à la cheville. C'est pas de bol, ça. La poisse, ouais, mais si vous me débarrassez des requins des sables, je pourrais peut-être vous donner un de mes Overboard. Ce serait avec plaisir, monsieur McMax. Mais nous devons trouver le capitaine. Une de vos planches. J'ai toujours rêvé d'un Overboard correct, moi. Ça marche. Reposez bien votre cheville. Ok, donc on doit détruire les requins de sable. Ouais, donc rien à chercher là. Et on est en récompense, on aura donc un Overboard. Je sais pas si c'est ça les requins de sable. En tout cas, si c'est ça, bah ça devrait plutôt bien se passer. Donc là, j'ai l'impression que ça, ouais, c'est un générateur de requins de sable, hein, apparemment, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc on va essayer de... Oh, il y a un boulon d'or, là. D'accord. Ok, on va essayer d'aller le choper, hein, évidemment. Voilà, lui, il est cramé. Donc j'ai reçu beaucoup de commentaires aussi lors du précédent épisode. Donc certains me disaient, ouais, donc toujours aussi rare, enfin, je suis content de mes épisodes, toujours aussi content de ma série, donc ça me fait extrêmement plaisir. Parce que, tout simplement que je prends un énorme plaisir à faire ces vidéos, et apparemment, vous prenez autant de plaisir que moi à les regarder. Donc ça fait beaucoup de plaisir, ça me fait énormément plaisir, pardon. Ouais, là ça reste un peu chaud, voilà, parfait. En tout cas c'est bien, hein, ça nous rapporte pas mal de boulons, limite ça pourrait être une technique, hein. On détruit pas les générateurs et on fait que de tuer les bestioles. Je sais pas si ça peut être une bonne technique. Moi je pense qu'on va faire ça un petit peu, on va récupérer jusqu'à ça nous en rapporte combien, ouais, jusqu'à 6000 et puis après on se chargera de tuer les générateurs. Ouais, quoi qu'en fait ça lâche qu'un seul boulon je crois, en fait, donc c'est pas en fait super efficace. Super intéressant, quoi. Voilà, donc c'était le dernier de cette zone. Maintenant, alors, soit on va essayer de chercher le boulon en or, de toute façon que je veux absolument l'avoir, donc on va essayer de le choper, et puis après on détruira les autres plantes. Alors, ok, donc là il y en a une. Ok, il sort du sable, d'accord. Ok. Ah oui, il y en avait carrément deux là. Ah ouais, non, mais là il a fait un... Il m'a fait deux coups en même temps. C'est pas du jeu là. N'importe quoi. Je veux le boulon d'or. Je veux. Toi t'es mort. J'ai eu un bruit là. Enfin, la musique a changé. Je sais pas qu'il y a une raison particulière. Non. J'essaie de regarder ce qu'il y a derrière. Ouais, je pense qu'il faut passer par cette porte. Mais vu que j'ai rien pour détruire cette porte, hein, on va essayer avec le crocheteur. Non, il n'y a rien pour crocheter. Le gant à bombe, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Non. Et puis le sous-mitraille, ça m'étonnerait aussi. Ouais, non.
Donc ben, je sais pas trop comment on va faire. Oh, c'est en train de me gratter en plus. Non, qu'est-ce que je fais là? Je fais rien de bien. On va essayer de récupérer dans le pyrolanceur, voilà. Et donc voilà. J'ai reçu ça un commentaire en me disant pour les boulons en or. Donc ceux que je vais rater. Je vous avais proposé lors du précédent épisode de, bah de d'aller les chercher dans de sortes d'épisodes bonus. Et alors j'ai reçu un commentaire en disant ouais, ça serait pas une mauvaise idée, mais on va détruire ça. Je crois qu'on peut détruire. Oh là là. Mais qu'est-ce que je suis doué. Un boulon en or. Un. Voilà, parfait. Donc ça commence déjà bien. On a déjà un boulon en or. Donc ça fait plaisir. Donc, j'ai reçu un commentaire en disant oui, ça serait bien hein, de faire des épisodes bonus, mais plutôt à la fin du jeu. Quand j'aurai fini le Ratchet & Clank 1, pourquoi pas après faire, faire tout simplement la quête des boulons en or. Donc, moi je vous dis, il n'y a pas de souci, hein, moi je fais ce que vous me dites. Enfin, hein, je veux dire, moi il n'y a pas beaucoup d'importance si je les récupère avant ou après avoir fini l'aventure. Donc, non, ça a très peu d'importance pour moi et ça peu importe quoi, donc il n'y a pas de soucis. Si vous voulez que je fasse un en fin de les enfin, en fin de jeu, il n'y a pas de soucis, je le ferai. Donc voilà, là on va essayer d'aller choper les plantes là. J'avais pris le pyrolanceur normalement. Voilà, allez, j'ai combien? J'ai 5725 boulons, je crois que je viens de voir vite fait. Ouais, j'en avais un nom comme ça. Je sais pas s'il y a des armes à récupérer dans la prochaine planète, mais tout boulon est bon à prendre. Hein. Ça, c'est sûr que je veux dire, vous n'allez pas passer à côté d'un boulon et vous dire oh, bah non, on va pas le prendre, on a déjà assez. Hein, non. Ça marche pas comme ça. Oula, bah, c'est qui là? Voilà, maintenant on va faire le ménage. Franchement, c'est pas très réactif hein, ces ennemis là. On m'a dit aussi de faire très attention, enfin. D'être plutôt concentré quand je fais mes épisodes, enfin, tout en restant fun, mais rester concentré parce que c'est un jeu compliqué. Hein. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était un jeu, c'était le plus dur des Ratchet, donc je m'en rappelais hein, qu'il était compliqué, mais après, plus dur que Gladiator et tout, je m'en souvenais pas. Pour moi, il n'y avait pas beaucoup d'importance, enfin, pas beaucoup de différence, je veux dire. Allez hop, toi tu te casses. Hop là, voilà. Oh non, bah, les boulons. Ah, je me suis fait couillonner. Un Z3000 tout neuf. Ce modèle est même pas sorti. Bon allez, faut que je m'arrache. On se verra en course. Comment je me suis fait couillonner là? Je peux pas récupérer les boulons qu'il y avait? Ah si, voilà. Ben, j'espère que c'est ceux-là. Oui, voilà, si c'est bon. C'est les boulons, d'accord. Ouf, parce que là, sinon j'aurais pété un câble, hein, je vous l'avoue. Allez, on est parti. Ok, oh là, j'avais même pas vu. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on peut récupérer la vie, même si ça ne sert à rien. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses à récupérer, vu que j'ai récupéré le boulon en or. Je pense pas qu'il y en ait deux dans la même zone. En tout cas, pas du tout à côté, quoi. Donc, je pense qu'on va pouvoir continuer tranquillement. On va monter dans ce vaisseau. Enfin, dans... Ouais. Il y en a récupéré, non? Allez, on est parti. La proie, elle veut pas s'activer. Ah, voilà. Je suis riche. Ok, maintenant, donc... Ah ouais, d'accord, super. Ouais. Donc on va chercher des munitions, si j'en ai besoin. Non, d'accord. Donc on va aller sur la prochaine planète. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour de cette planète-là. Hein. Elle était plutôt rapide, hein, ce petit tour. Donc on est parti. Hein. J'aime bien Clank, le saut qu'il fait, quoi. Il saute vraiment haut, hein. Il saute pas comme ça dans le jeu. Voilà, je regarde juste si on a bien tout fait. Donner le prix à l'agent. Ah oui, donc il faut que je gagne le prix avant de pouvoir faire ça. Sinon, là, on a fait quoi? Donc, toutes les missions sont accomplies. Il me manque 3 boulons en or. Donc ça sera
pour la fin de l'aventure. Là, il m'en reste un à récupérer, mais on va pas. Si je l'ai pas vu, on va pas essayer de le récupérer. Je vais me faire une gourde là, je crois. Ouais, je vais faire une gourde, on va recommencer. Hop, voilà. Bon, je vais pas rentrer, ah voilà. Donc dans cette planète, il nous en reste un. Dans l'ancienne planète, il nous en reste 3. Donc ça en fait 4 à récupérer pour le moment. Les boules en or, j'essaie de les chercher. Mais si je les trouve pas et je vois qu'il m'en reste, je vais pas aller les chercher. Là, il en reste 2. Ok. Et sinon, j'ai fait toutes les missions. Donc voilà, on va pouvoir être sur la nouvelle planète. Donc c'est inventé le lieutenant. Et il y a un seul boulon à acheter. Un seul boulon en or à récupérer, je voulais dire. Et ouais, je viens de voir un mec qui est en train de grimper sur la tour. Je sais pas ce que ça faisait. Moi, je vais me taire parce qu'il devait avoir une cinématique. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Vraiment, sa tête me revient pas à lui, hein. Ah, planète colorée en tout cas. Ça a l'air d'être une grande planète. Et puis c'est carrément la planète où le bûcheron là, le sort de bûcheron était là. Donc là je crois, les ennemis c'est les robots, ok. C'est normal, hein, enfin c'est habituel. Donc là on affronte carrément les sbires de de Drake, hein, d'après ce que je comprends. Ok, donc on a un chemin là, pardon. Là non, on peut rien faire, ok. Alors au niveau des munitions, est-ce que j'ai une nouvelle arme à acheter? Oui, le gant ravageur. Mais je peux pas l'acheter. Super affaire pour vous aujourd'hui. C'est chiant mais bon. Pas vraiment le choix, on va essayer de faire le plus vite possible pour récupérer les boulons nécessaires. Donc là il y a le robot, là il y a des marches, et là il y a des caisses avec un crypto. Donc on va essayer de faire le crocheteur, pas le crypto. Le crocheteur. Voilà. Alors, on commence par celui-là. D'accord. Lui. Ok. Ah voilà. Lui. Ah, d'accord. Et il reste plus que... lui. Non. Voilà. Il reste plus que... lui. Ok, je galère un peu, hein. Ah ouais, mais là, je comprends pas, là. Parce que si vous voulez, en fait... Non, on peut tous les maîtriser, mais... Ah, ok, c'est bon, là. Je pense. Y a pas un autre endroit? Parce que là, j'ai du mal à comprendre, là. Ok, alors. Là, il y en a 3 qui sont verts, je crois. Non, là c'est bon. Mais là, vous voyez, il y en a plus que un qui est vert. Ouais. Vous allez me prendre vraiment pour un stupide, hein. Enfin, pour un gars stupide, mais j'ai pas trop. En fait, j'ai pas trop cerné le but. Enfin, je sais qu'il faut que ça soit vert, mais. Donc, alors. Il y a quoi comme solution? Il y a celle-ci ou celle-ci. On va essayer celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci. Où? Celle-ci. Ok. Et ensuite, il y a... Ah, je crois que je viens de comprendre. Attendez. Ouais, je crois que je... Ah, oui, c'est bon, je viens de comprendre, je crois. Oui, c'est bon, je viens de comprendre. Donc là, c'est bon. Ensuite, il y a ça à régler. Ça, c'est bon. Et voilà. Il suffit normalement de faire ça. Ouah, je viens de comprendre. Ouais, vous m'avez vu en pleine réflexion. Là, j'ai un petit peu parlé ouvert. Donc, désolé si pour ceux qui ont vu que j'ai galéré. Non, ça, c'est pas très grave, ok.
Mais je viens enfin de comprendre un petit peu la logique du truc. J'avais pas vu qu'il y avait des trucs qui clignotaient. Enfin voilà. Je pense que derrière votre écran, vous étiez en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il est. Il est complètement stupide, il comprend rien. Là, je pense qu'il fallait sauter. Hein. Enfin, s'il fallait pas sauter, je crois que j'ai fait une grosse bourde. Mais. Ouais, je pense qu'il y avait rien d'autre à faire. On dirait que le rebord il sert à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On dirait qu'on peut s'agripper au rebord. Et en fait non. Ok, donc je vais complètement me craquer. On va recommencer hein. J'ai vraiment cru que c'était un boulon en or là qui m'attendait. La gaffe en plus, je crois que je vais encore me craquer. J'espère qu'on perd pas de boulons à chaque fois qu'on tombe parce que sinon bah, ça va me coûter cher hein, au niveau des boulons. Allez, on est reparti pour une troisième tentative. J'ai vraiment cru que qu'on pouvait s'agripper à ce genre de choses. Voilà, parfait. Parce que là, vous voyez, là on. Il n'y a vraiment rien en bas, non? Bon, on va essayer de. Hop! Voilà. Il y a un chrono-boulon, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, un écran-boulon ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose comme ça. De toute façon, je dis n'importe quoi. Mais je crois que ça s'appelle comme ça. Ok, donc là, c'est une séquence de plateforme. Ouais, désolé, je parle pas trop là, mais. Je recherche un petit peu s'il n'y a pas des boulons en or. Parce que là, il n'y en a pas. Parce que je vois. Ouh! Il n'y a pas que je saute. Désolé si cet épisode manque d'un petit peu de folie, mais. Je sais pas, là, je vois pas ce qui peut. Je cherche pas à m'emballer. Ouh, j'ai eu chaud là, putain. On est resté genre de grosses crêpes. Voilà, donc, mais dans quoi je pars? Ouais, on est parti. Donc là, il y a un troisième boulon à tourner. Et on peut activer le swinger, ok. Hop là. Ouh. Et d'après ce que je vois, il y en a un deuxième pour qu'on puisse revenir. Mais à quoi ça sert de revenir si y a pas de boulon en or? Non, ça se fout, j'ai de la merde. Oh non, pas ça. Vous allez encore me voir galérer là. Voilà. D'après ce que je comprends, là, on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, je viens de comprendre. Là. Normalement, on devrait pouvoir. L'un va là. Et l'autre. Voilà, là c'est bon. Non, c'est pas bon là. Là. L'un qui va. Là. Oui, là c'est bon par contre. Ensuite, donc il suffit de faire. Il suffit de faire. Là. Il suffit de faire. Voilà. Je viens de comprendre. Génial. Les boulons. Oula. Bon coup. Ouais, c'est le lieutenant là direct. Ok, on va prendre le gant à bombe parce que c'est un petit peu l'arme la plus efficace. Je pensais pas affronter directement le. Hey, tu l'as super impressionné. Il semblerait en effet. Ah, y'en a faux robot. Oh, une souris. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake. Et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glissobot. Technicien de montage de givre. Éleveur d'animaux mutants. Réparateur de robots. Cobaye pour aspirer au canon et assistant administratif. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. La petite pub là. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir. Il faut continuer. Mais lui, il est complètement obsédé par le quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord. Il faut trouver quark. Mais quand ce sera fait? Ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake.
Ils doivent bien savoir où ils se cachent. Je ne serais pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, ok, on y va. Donc maintenant, on peut. Tu as l'info robot, donc je pense qu'on a accès à une nouvelle planète. Je crois que c'est un petit peu ça le but des infos robots. Hein. C'est nous permettre d'accéder à d'autres planètes. Hop. Ok, donc là on revient par l'endroit où. Ouais, ok. Est-ce qu'on a assez de. Oh, on a toujours pas assez de boulons. Je pense qu'une fois qu'on aura fini de tuer les robots, on devrait avoir assez de boulons, hein, j'imagine. On va essayer de les tuer à la clé, comme ça va pas me faire perdre de munitions et donc du coup des boulons. Ok, là il y a un chrono. Enfin, je vais pas dire un truc complètement absurde, donc on va dire qu'il y a un boulon à tourner. Je crois en plus que c'est un écran boulon. Une chose comme ça. Enfin, ça a une sonorité un petit peu pareille, je crois. Allez, peut-être pour pouvoir avoir le nombre de boulons qu'il me faut. Si tous les boulons ne partent pas ailleurs. Ok, donc ça, il m'en suffit. Il me suffit pas non plus. Enfin, mince. Ça ne suffit pas, voilà. Pour pouvoir terminer. Pour pouvoir acheter l'arme, du moins. Voilà. Ok, donc eux, ils ont des scies à la place des mains. Chouette. Ça doit être marrant. Ah, voilà. C'est parfait. On va pouvoir avoir le gant ravageur. Pour l'instant, au niveau des boulons, on se démarre pas trop mal, hein, j'ai envie de dire. On va l'acheter, voilà. On va acheter des munitions. Ah d'accord, c'est une munition égale 40 boulons. Donc j'espère que ça vaut le coup. Parce que sinon, bah, je suis pas prêt de racheter beaucoup de ces petites conneries. Est-ce qu'on va essayer sur ces petits robots-là? Oh, non, peut-être pas, ça serait peut-être gaspiller des boulons un petit peu bêtement. Ok. Je crois qu'il y a des boulons en or là, mais je sais vraiment pas où est-ce qu'ils peuvent être. De toute façon, là, je pense pas qu'on puisse sauter. À la limite, on pourrait peut-être se hisser grâce à ça, mais. Non, d'accord. Complètement fail. Donc là, par cet endroit-là, on peut pas passer. Donc ça. Ok, maintenant, on est au courant. Donc on peut passer que par la gauche, hein, d'après ce que je vois. Donc on va passer par la gauche. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt logique. Tant qu'il y a des petits robots comme ça avec leurs petites scies, là, ils me font pas peur, donc c'est plutôt bien. Ça me met plutôt pas en. Enfin, ça me met pas du tout en danger, même. Oui, des munitions. Pour le grand ravageur. Faudrait qu'il y ait des gros robots là, j'ai envie de tester mon grand ravageur. Ok, donc là, c'est pour faire le short de. Avec, enfin, le sort de. Youp là. Ouais, d'accord. Je me suis un petit peu fail. Ah non, d'accord, non. Ah ouais, ok. Ok, ok. Prendre appui sur le mur en sautant juste au moment où tu. Il y a pas un petit boulot en or là? Enfin, on vient de trouver un truc quand même. Allez, des boulots en or, des boulots en or. Juste pour ça, juste pour deux trois boulons. Ah bien à observer parce que ça me paraît plutôt étrange. Je sais même pas ce que c'est ça en fait. C'est pas la première fois que j'en rencontre un, mais. Y a pas de briques à casser, non, y a rien. Y a rien, y a pas d'endroit où aller là. Non, bon bah. J'espère qu'il y avait pas de choses à récupérer de. En particulier en tout cas, parce que sinon bah, je me sens un peu con. D'accord. Je sais pas pourquoi je sens qu'il y a un boulon en or, genre coincé dans un arbre. Vous savez, c'est genre dans une sorte de trou. Pourquoi là j'ai une sorte d'intuition. Je suis en train de complètement délirer. 300. Ah là, bah, c'est la dèche niveau des boulons là, j'ai plus rien. Elles sont louches ces bûches, elles sont louches. Ça cache quelque chose. Non, y a rien. Maintenant je suis obsédé, dès que je vois une roche bizarre, ça y est, je vais tirer. Encore là, ces ennemis là, ils sont toujours pas assez puissants pour que je gaspille des munitions de grand ravageur. Donc bah, on va pas les utiliser bêtement. Hein. Là, je vois des sortes de caisses. Donc je sais pas trop comment y aller. On verra peut-être. Peut-être qu'on pourra y accéder tout à l'heure.
Voilà, en tout cas, le pont est construit. Ouais, il y a un pont là aussi, donc on va pouvoir y aller tout à l'heure. Ouh, il y a l'air d'avoir des robots un petit peu plus méchants avec des pistolets, donc on va peut-être utiliser le grand ravageur. Surtout qu'on a désormais 9 munitions. Donc maintenant ça suffit, on peut l'utiliser. Ah mince. Ah ouais, c'est des petits monstres. Voilà, je vais en mettre un. Et c'est, en plus c'est vachement, c'est vachement fort hein. T'as fait penser un petit peu, bon peut-être que c'est complètement... Enfin, je veux dire, peut-être que je dis un peu de la merde, mais... on dirait les sortes de fantômes dans Dragon Ball Z. Vous voyez un peu ou pas les fantômes que lance Sangotenk. Attends, c'est... Non, c'est Trunks qui est Sangotenk qui se transforme, ça fait Gotrunk. Voilà, Gotrunk. Vous voyez un petit peu ce... Les sortes de fantômes qui lancent, et bah voilà. En fait, c'est téléguidé et ça permet de... De faire vachement de dégâts. Allez, on va voir combien de ce que ça peut faire. Ok. Oh, bon, on va pas gaspiller toutes les munitions juste pour des robots qui se tuent en deux fois. Enfin, en deux coups. Ok. Bon, maintenant. On va essayer de. Oh, mais ok. Donc, en un seul coup, ça y est, il est mort. Là, il y a un endroit bizarre. Un petit peu inutile. Ça paraît étrange. On va essayer de l'observer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire le tour de cette zone là. Là, il y a plein de boulons à récupérer. Donc, on va aller les récupérer. Logique. Ah, ouais, d'accord. Donc, là, il y a une zone à aller. Enfin, un endroit où aller. Et donc, on va tenter de. Je sais pas. On va tenter des choses. Complètement inutiles. Mais on a tenté au moins. On peut aller là-bas. Hein. Alors, comment? Alors, j'en ai aucune idée, ça, très honnêtement. Peut-être que là on peut monter tout en haut grâce aux bûches. Ou peut-être pas. Voilà, tout est mort. Est-ce qu'on a besoin de vie? Non, on n'a pas besoin de vie. J'ai un petit peu perdu là, je vous avoue, je sais pas trop où aller. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré de boulons en or. Ça me paraît plutôt étrange en fait. Non, c'est pas comme ça, il y a un sort de. De champs de force pour nous empêcher d'y aller, donc ça peut pas être ça. Il y a des champignons, donc c'est pas ça non plus. Donc là on est voilà, dans le pont là où je vous avais dit d'aller, enfin où je vous avais montré l'endroit que je vous avais montré, voilà. Enfin, j'ai du mal à parler français aujourd'hui. Ok, donc il y a un chemin là, il y a un chemin tout droit aussi. Allez, on va utiliser que la clé. Que je fasse attention avec ce genre d'ennemis là parce que leur balles, enfin leur sorte de pistolet là, bah les balles arrivent assez vite donc j'ai pas beaucoup de temps pour les esquiver. Donc faut que je fasse un petit peu attention. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Comment on monte là-dessus? Grâce à ça? Ouais, je pense que c'est grâce à ça. Voilà, parfait. Vous voyez là ce genre de choses, ce genre de trou. Bah, je sais pas pourquoi j'imagine qu'il y a un boulon en or dans l'un de ces arbres. Je sais pas si c'est un souvenir, si je fabule, si je. Ça fait complètement n'importe quoi. Mais... Je sais pas. En tout cas, ça serait... c'est pas ici. Là, on peut aller nulle part. Donc, c'était juste pour récupérer un petit peu de boulon. Ok, on va pouvoir casser les caisses. Parfait. Et on va pouvoir aller dans l'endroit. Pourquoi il y a un boulon là-haut là? Un petit peu perdu le boulon, le pauvre. Ouh. Allez, viens par là toi. Voilà, nickel. Bon, bah, on va essayer de faire tous les tours des arbres. Je fais ça enfin, vraiment pour rien. Vous devez me trouver ridicule, mais je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y en a un dans un arbre. Mince.
Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Voilà, bon, maintenant on va pouvoir sauter. Ok, donc ça c'est automatique, donc ça c'est plutôt... Ah non, d'accord, ça monte, ok. Hyper utile, vous allez me dire. Ok, donc là c'est un gros méchant. Pas beau. Allez les petits robots. Alors, ils en ont sous la patte, hein, eux. Hein. Un seul coup et hop, c'est bon, c'est terminé. J'en ai lancé deux pensant que bah, ils n'allaient pas réussir à s'en sortir seulement à trois. Mais en fait, bah, j'avais tort. Hein. On va regarder vite fait à combien on en est de vidéos. Parce que bon, ça serait... Faudrait quand même pas qu'on dépasse la limite. Parce que je mets extrêmement de temps à upload. Et donc voilà. On va voir à combien on en est. Donc, on en est à... On en est à 30 minutes, donc je vais continuer moi et puis on se retrouve tout de suite pour le prochain épisode. On se retrouve tout de suite hein, dans le même endroit, la même zone, avec le même personnage, voilà. Donc prenez soin de vous, ciao à tous et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!